tête exposée, main sur les épaules, et avant. Bonjour, je suis Sandrine Bello du club de lutte des Avirons, je suis aussi prof au collège et j'ai une section lutte dont vous voyez les lutteurs aujourd'hui qui sont à l'entraînement. À la section lutte, on a beaucoup de jeunes lutteurs, on a 50 jeunes lutteurs et on vient d'avoir un petit déplacement au championnat de France, on est parti avec 10 jeunes, 9 lutteurs, un arbitre et l'équipe fait 7e sur un championnat national, c'est bien pour un tel niveau. On a aussi notre arbitre qui fait 3e national, qui a confirmé ses résultats des années précédentes, puisque Sacha a fait 1er, 2e, 1er et 3e cette année. Donc on est aussi un petit groupe, une association de lutte avec une trentaine de licenciés. On a des entraînements le lundi et le mercredi pour les 11-15 ans, le lundi et le mercredi pour les plus de 15 ans. Et le mardi et le jeudi, on accueille les 7-11 ans et on a un groupe de baby-lutte avec des 4-6 ans tous les mercredis et tous les vendredis. Nous avons aussi deux lutteurs en métropole, Henrik Bataille et Raymond Langlais, qui jouent sur un niveau international. Henrik Bataille qui joue plus sur le niveau international, lui n'arrive pas à obtenir de titres nationaux. Et Raymond Langlais qui est 2 fois champion de France, qui perf un petit peu moins au niveau international. Les deux seront ce week-end en région parisienne pour le championnat de France jeune lutte gréco-romaine, donc leur spécialité. Oui, merci à Madame Vélo, car elle nous a amenés au championnat de lutte et nous a entraînés aussi. Nos parents aussi qui ont financé aussi le voyage. Le collège aussi qui a financé un peu aussi le voyage. On est arrivé 7e sur 12 équipes au championnat de France. La lutte est super, venez nous voir et vive les Avirons! Tous pour l'actualité de la commune des Avirons dans Mons Avirons.